Philippe Vanet est vétérinaire. Il connaît bien les rongeurs et en a fait sa spécialité. Voilà. Voilà Sweetie, qu'on a opéré ce matin. Pour lui, exterminer les rats à grande échelle n'est pas la solution, car le rat s'adapte au poison et devient plus résistant. Lutter contre la prolifération de cette espèce est une bataille perdue d'avance, d'autant plus que plus on va les tuer cruellement, et plus on va créer des vides qui vont devoir se re-remplir avec de nouveaux individus. On sélectionne à ce moment-là des individus qui se reproduisent encore plus vite. La dératisation, à mon avis, devrait plutôt se faire avec des types de contraception comme il existe chez les pigeons. Mais la disparition complète des rats serait une catastrophe, selon Philippe Vanet. Car le rongeur joue un rôle sanitaire indispensable pour l'homme. La dégradation des déchets d'origine alimentaire peut être à l'origine, soit, s'il n'y a pas de rats, de prolifération d'insectes, soit de faire des soupes bactériennes qui, elles, vont être dangereuses pour l'environnement et en plus colportées par des mouches qui vont contaminer des denrées alimentaires qui seront propres.